Bonjour Alex. Donc Janaka, là je suis dans ton appart à Auroville. Donc on va peut-être déjà commencer par présenter, donner une dimension visuelle. Tiens, ton appart, à quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous le présenter? Bien, c'est un appartement de 40 mètres carrés qui m'a été fourni par Auroville en échange d'une autre maison que j'avais construite il y a 25 ans. Et Auroville, on ne vend pas hein, les choses. On investit, mais on n'a pas le droit de vendre parce qu'il n'y a pas de propriété privée à Auroville. Hein. Donc, en échange de mon appartement que j'ai donné, de ma maison plutôt que j'ai donné à Auroville parce qu'elle était trop grande, puis elle était dans un endroit qui me plaisait pas vraiment, après avoir vécu pas mal de temps, j'ai fait un échange. Voilà, j'ai pris un appartement neuf qui est dans un endroit qui s'appelle Citadine. Et qui est basé un peu sur le principe de générosité où des gens effectivement peuvent acheter et peuvent investir dans un appartement. Enfin, investir, ça leur appartiendra toujours pas de toute façon. Mais aussi, c'est des appartements qui sont donnés aussi gratuitement à des gens qui travaillent, qui sont investis à Auroville sur le plan personnel et sur le plan des activités autres. Donc, souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, mais l'appartement leur est fourni avec tout le matériel intérieur. Et voilà, donc bon, c'est le principe. Moi, j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Puis en même temps, je suis proche du centre d'Auroville. Je suis dans le centre d'Auroville, ce que j'ai toujours voulu... ce que j'ai toujours désiré. Je suis près du Matrimandir, je peux un peu par... Voilà. Donc, près de mes activités principales, quoi. Donc ça, c'est une des curiosités quand on arrive à Auroville et puis qu'on commence un petit peu à s'intéresser au fonctionnement de la ville, la gouvernance de la ville ici. Il n'y a pas de propriété. Ici, les choses ne nous appartiennent pas. Elles nous appartiennent le temps qu'on s'en sert et le temps qu'on est là. Mais le jour où on s'en va, on a le droit de revendiquer rien du tout. Ça y est, on y est, parce que Auroville est basé sur une utopie. Je voudrais que tu me parles un petit peu des origines d'Auroville et de la mère et de Frio Robindo, hein, qui ont, la mère qui a eu cette vision de créer cette ville universelle qui essaie de tendre vers une unité humaine. Bien, d'abord, c'est un peu Frio Robindo qui a une vision, qui a eu une vision du futur de l'humanité. Il a dit l'homme, c'est pas l'aboutissement. L'homme doit être dépassé un jour. Ou en tout cas, il doit se dépasser. Si lui ne veut pas se dépasser, il sera dépassé par l'évolution même de la vie, quoi. Donc, il a aussi pensé à un futur. Et si finalement, Mère a repris un petit peu tout cet enseignement, toute cette vision... Et elle a voulu, parce que Mère, c'est quelqu'un qui concrétise hein, les choses. Quand elle est venue à l'ashram, c'est elle qui a créé l'ashram. Hein. Au début, les gens sont venus autour de Sri Aurobindo, c'était des révolutionnaires qui avaient travaillé avec Sri Aurobindo sur le plan politique pour libérer l'Inde, avant Gandhi déjà, bien avant. Hein. Et puis bon, il a été poursuivi, il a été emprisonné, etc. Et le seul endroit où il a pu se réfugier, c'est tout à la gloire de la France, c'est en terre française, c'est à Pondichéry. C'est les Français qui ont accueilli Sri Aurobindo. Et Sri Aurobindo, donc tous ses anciens compagnons de révolte se sont groupés, l'ont suivi, ils ont suivi leur chef. Ils sont venus aussi à Pondichéry. Mais Sri Aurobindo, entre-temps, aussi avait eu une expérience spirituelle et il cherchait autre chose parce qu'il a dit, ça ne suffit pas de se révolter contre l'Angleterre.